Oui, entrez. Hein? Salut, ça va? Ouais. Hein? Non, le planning? Non, je sais, je suis à la bourre. Ouais, le truc de l'événementiel. Ouais, je sais, Agent Talia, je m'ai relancé là-dessus, là. Eh, il faut que je lise le document, ouais. Et il fallait que je fasse des trucs sur YouTube aussi, quoi. Hein? Ah bah si, attends. Ah bah si, désolé. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Ouais, je vais dire bonjour. Ouais. Eh, tu t'es lavé les dents ce matin? Ouais. Mais t'as mangé du... des tripes ou... Non, enfin, t'as mangé du caca? Non? T'as mal aux dents ou pas? Ah, c'est chaud là, mec, quand même. Ah, y a un truc qui est en train de mourir au fond là, je crois. Ouais, non, bah, ouais, vas-y. Va checker là-bas. Allez, pousse-toi. Hey! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Solty Academy? Que vous avez passé une bonne et une agréable journée? Remember it. La journée est magnifique maintenant que je te vois, 6-4, putain, 6-4 en deux mots avec un Q majuscule. On a été obligé de faire un rappel dans l'intro, les amis. C'est mon côté italien qui revient. Un rappel dans l'intro, vous vous rendez compte ou pas? Hein, pour rappeler que 6-4, ça s'écrit S-I-X-Q-U-A-T-R-E et il y a une seule majuscule, elle est sur le S. C'est tout? Attendez, j'ai regardé un truc parce que j'ai posé une question au surveillant. Ok, bon, faudrait que je vois ça parce qu'il y a un écho sur les alertes, je sais. Faut que je corrige ça, je sais pas. Ça doit être un problème d'interpolation synaptique, je pense. Au niveau du 7e PC qui gère le chat. Hein, on a un PC avec une petite 3080 Ti pour le chat, quoi. Hein. Histoire d'avoir un bon refresh rate sur le chat. C'est important quand même, hein, d'avoir la réactivité par rapport tout de suite, tu vois. Hop là, le message apparaît. Bam, bam, bam. Tu vois, je l'ai tout de suite, quoi. Et là, à chaque fois, je me rends compte, c'est de la merde. Oh putain, c'est de la merde. Ça, c'est con. Là, ils se contredisent. Ah, c'est important pour moi. D'avoir ce lien entre... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Très rapide. Du petit Thermaltech, ok. Bon, à part... Les trois lettres RGB apparaissent un peu trop souvent, mais voilà quoi. Attends, je déconne, mais... Ils sont tous les deux là dans le studio, les deux là, je te jure. Sérieusement, t'éteins la lumière, c'est bon, c'est une boîte de nuit, quoi. Ibiza, le truc. Alors que j'ai jamais rien demandé, mais bon, tu pourras le dire. Bon, bah, écoute, elle est RGB. Bon, bah, ça, c'est RGB. Le clavier, il est RGB. La souris, elle est RGB. Ma femme a acheté un Godmiché, il est RGB. Peggy 18. Custom, 8 du mat. Let's go! Je suis à l'autre bout de la map, putain, ça rase. Oh, cette position dans le bus pour attendre les mecs qui passent d'un point à un autre, elle est sous-côté, moi je dis. Je me fais pas tirer dessus quand même. Nom d'une pite. Je suis tellement mort. Ils sont deux. Est-ce qu'il m'a vu, tu penses? Deux ou trois. Pas les jouer. Oh, la petite montée là. Oh, ils sont trois, putain. Je peux pas les jouer. Impossible. Si je les joue, c'est la mort assurée. Ils sont full gras. T'es des scaves, ça? T'es ouf ou quoi? Ça, c'est du full PMC. Ça c'est des mecs comme moi avec quelques euros dans le truc, quoi. Je les joue, je suis mort. Au mieux, je fais deux kills. Grand mieux. Et je suis obligé de mettre un one-tap sur le premier et de me taper avec deux mecs qui bougent pas trop, en fait. D'enchaîner deux one-tap, etc. Si ça avait été favorable, j'aurais pu le tenter, honnêtement. Hein. Et tenter un vieux truc de pute en mode je l'attends, je joue sur le silencieux et je le tape. Mais faut pas croire, hein, ça fait du bruit, ça vous chuit en deux secondes, quoi. Du coup, ils vont jouer là-bas. Putain, mais check, les mecs, ils jouent même pas, en fait. Ils sont trois, mecs, ils déroulent à la grenade, quoi. C'est la sixième grenade qu'on entend depuis le Big Red. Hein. Donc ça fait 3 PMC. Et ils ont sûrement dû faire un kill, ça se trouve, Big Red. Du coup, on va passer au niveau de Dorms. Et on va jouer à gauche. Après, c'est pas dit qu'on les retrouve pas dans le sens anti-horaire, en fait. Moi, je vais dans le sens horaire. Regarde, septième. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes trois bonhommes, ça. Est-ce qu'on se tenterait pas les Dorms, au final?
Ah non, ça a été pété. Ça a déjà été fait. Putain. Huitième. C'était Freeloot. C'était Freeloot. Franchement, je le défonce en plus le las. Hein. Oh nom de Dieu! Mais comment ils m'ont pas vu? Comment ils m'ont pas vu? J'ai trop le seum. T'as un viseur trop mauvais pour le cac. Mais bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est parce que j'ai pas de thunes. Mais bien sûr. Après, tu peux adapter aussi ta distance d'engagement et comment tu vas le jouer par rapport à ton viseur, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis baissé. Le but du jeu, c'est parce que je pensais qu'ils étaient que deux. Et j'allais jouer les deux. Hein. Franchement, je les aurais défoncés. Je les aurais laissés passer. Et après, tu les joues à une range qui est à peu près adaptée par rapport à ton viseur, quoi. Sur un truc comme ça, franchement, 50-150 mètres, t'es bon, quoi. Mais là, je me retrouve à 10 mètres, mais mec, mais au début, je me suis dit, what? Mais c'est Réchala, qu'est-ce qu'il fait là, le mec? Il est arrivé en bagnole ou quoi? Il se barre, en fait. Qu'est-ce qu'il foutait là? J'en avais trois des grenades, mais t'imagines, sérieusement, si j'étais arrivé à l'angle du mur. En fait, tu sais ce qui s'est passé? Je suis en train de... Ils sont tous collés. Ils ont fait leur kill. Putain, ils ont dû pusher directement devant moi, en fait. Ah, oh, ils ont pas fait les dorms. Ou alors, c'est eux qui ont fait les dorms. Ils ont fait les dorms. Mais bien sûr, ils font les dorms, ils sortent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à cause du moteur de la voiture, ils m'entendent pas arriver. Et je suis emmené avec eux. Au moment où j'arrive au corner de la machine, ils doivent m'entendre normalement. Avec n'importe quoi, ils m'entendent. Mais la vraie raison, la seule et unique raison, c'est qu'en étant collé au machin, avec le moteur de la bagnole, ils m'entendent pas. Parce que la bagnole fait énormément de bruit. Et il tombe avec un blaireau en mode John Wick. Il venait de se stuffer comme des fils de pute et je les défonce. Oh, ça se trouve, il y en a un derrière, il s'est servi. Oh, oh, j'adore ce jeu. Oh, je déteste ce jeu. C'est 100% ça. Il n'y a aucune explication logique autrement sur le fait qu'ils étaient en train d'attendre à ce moment-là et qu'ils m'entendent pas arriver quand j'arrive au corner. Ma décale n'était pas bonne. Putain, sa mère. T'imagines si je serais arrivé au corner et je les aurais vus? Oh là 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 là, je suis dégoûté de pas avoir checké, de pas m'y attendre du tout. Et avec le moteur, moi non plus, j'ai rien entendu. J'ai juste, vous avez vu, je me suis arrêté en plein milieu du machin. Je fais, what? Je croyais qu'il y avait un mec dans les feuillages devant moi, tu sais, j'ai entendu un bruit de feuillage. J'ai marqué un temps d'arrêt. Si je les avais vus se mettre à cet endroit-là, ou entendu, ou vu plutôt, puisque j'aurais pas pu entendre. Ah bah, c'était simple. Hein. C'était, je balançais une grenade, deux grenades, et le fait de balancer la deuxième, je commençais déjà à dégainer le premier, quoi. Et là, il y avait moyen que je passe les trois kills. Ça aurait été énorme. Et le mec peut pas save le stuff de ses mates s'il est extract. Donc ça veut dire qu'il y a un scav, qui est un mec en scav qui est très content d'avoir spawn sur ce lobby, je te le dis tout de suite, quoi. Il va se régaler, mais il va se régaler, le mec. Il va sortir des dorms en mode, oh, ça a déjà été fait, c'est vraiment de la merde, je vais désinstaller ce jeu. Il va tomber sur trois pauvres trucs full gras et tout. Bon, c'est pas grave. Ok, c'était pas si dégueulasse que ça au final. Je suis un peu vénère parce que bon, voilà quoi. Mais putain, sa mère, la surprise. Let's go, c'est pas grave. Oh, elle était intense, le game. Il y a deux vagues de spawn dans une partie. La première où les PMC spawn. Ce sont des joueurs qui sélectionnent leur stuff. Puis 10 à 30 minutes plus tard dans la partie, la deuxième vague de joueurs spawn en scav. Ils ont du stuff aléatoire qu'ils ne choisissent pas. Il est extrêmement rare qu'un joueur PMC meure et respawn dans la même partie en scav. Dans cette partie, Six va relancer une game en scav. Let's go les amis. Wait, what? Really? Re-fucking-ly? C'est peut-être le même raid. What? Attendez, on peut tomber dans le même raid? C'est quoi la probabilité que ça arrive? C'est le même raid? C'est le même raid? C'est le même raid, les mecs! Ah, mais y'a l'autre qui est là? Ah, bah non, mais il reste un mec en vie! C'est barré, il a pris la bagnole, on est d'accord? Il a tout pris, ce fils de p***. Ça, on s'en fout, en fait. Il doit avoir des trucs mieux, de toute façon. J'ai de la chatte, en fait.
nom de Dieu, c'est pas loin. Hop hop hop. Nom de Dieu. Ok 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 ok. C'est lui qui tire. Hein. Franchement, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je me casse. Ça part avec de la BP quoi. Ah bah. Il avait un petit impact les mecs là lui. Il y avait un petit problème là. Ok, ça c'était bon, j'aurais pu le mettre effectivement dès le début. Et les deux ont pris bam 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 bam. Ils ont pris la doublette au niveau du viseur. La probabilité est ouf. Mais merde. Non, non, stop, 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 stop. Stop, stop, stop de bouffer les popcorns. Je suis sûr et c'est pas extra que ça se trouve. C'est la première fois que ça m'arrive. What? What? Stop? What? Stop? Stop? J'ai rien fait, stop. J'ai juste appuyé sur insert, ça a lancé un truc, je sais pas pourquoi. Un truc qui permet de choper des loot gratos. Y'a un mec devant moi, impossible de savoir où il est bien sûr. Scav. De scav, Ozef. J'ai trop peur, ce con. Je vois pas, hein, il se barre. Oh nom de Dieu, cette game est intense. Scav. God damn it! Elle était intense celle-là à cause du truc de tout à l'heure là, sérieusement, elle m'a encore mis un... elle m'a le flip à 140 BPM là sur le truc, je suis pas redescendu depuis tout à l'heure, elle était tellement stylée. Franchement sur ce move dans le bus là, à partir de ce move dans le bus c'est parti en couille quoi. Quand t'es au milieu d'un bus et là t'entends un mec qui passe, il est bien stuffé, un autre mec, ouais, il est bien stuffé, trois mecs, ok d'accord, ils ont l'équivalent du budget de la défense du Sri Lanka les mecs, donc c'est chaud. Alright guys, alright, j'ai un peu chaud là. Et j'ai presque envie de... Ah ouais. Ouais, c'est vrai, vous avez pas l'habitude. Ouais, l'écran. Bon, on a quelques écrans sur le campus quand même. Hein, pour ceux qui connaissent pas. Mais je vais peut-être aller piquer une petite tête là. Parce que 140 BPM, mon gars, je peux te dire que sérieusement... Eh, hein, il y a les coronesses qui jouent les timbales, les mecs. Ah, donc voilà.